Eh les gars, faut s'abonner à la chaîne de Sofiane le Geek, ça a l'air super. Yo tout le monde, c'est Sofiane le Geek, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le jeu Dragon Ball Legends. On va partir en PVP, tester cette team avec l'arrivée du tout dernier Goku SSJ3 LF Ryuken qu'on a chopé hier lors des invocations. N'hésitez pas à aller voir la vidéo si ce n'est toujours pas fait. Je l'ai mis avec le tag Goku Blue Vegeta Blue LF parce que vous savez très bien que je kiffe cette carte. Et voilà, j'avais envie de me faire kiffer avec cette team. J'ai rajouté deux caps Zenkai avec le Broly et le Goku SSJ3 pour le fameux Ryuken justement. Alors je dis pas comme quoi c'est la team la plus optimisée, moi vous savez très bien, je joue avec ce qui me donne envie. Aujourd'hui ça va être ça, peut-être demain il y aura une autre vidéo avec le Gogeta Ultra etc. Enfin en ce moment ça va être assez compliqué parce que c'est vrai qu'on est en déplacement avec Yekes etc. Donc bon bref les amis, on va voir un petit peu ce que ça donne. On n'oublie quand même pas que le Goku SSJ3 Ryuken est seulement 3 étoiles. Donc voilà, c'est pas 14 étoiles, c'est à prendre en considération. On verra bien. Yeah ! Gogeta Ultra et Migate en face de nous. Bon bah moi je vais prendre les 3 premiers persos, le tag Goku SSJ3 et Végéto. On va voir ce que ça va donner. J'ai peur, voilà, parce qu'il a quand même pas mal de violets. Il y a également le Gogeta Free to Play. Celui-là, là, il me fait un peu peur parce que lui il est vraiment tanky et il le prend. Il le prend et face à mon Goku SSJ3 Ryuken à seulement 3 étoiles, on va voir ce que ça va donner. Ça va pas être de la rigolade, je pense que ça va pas être si simple que ça, mais j'espère au moins qu'il n'y aura pas de problème de connexion, de crash ou quoi. Non là vraiment ça serait beaucoup trop, vraiment ça serait beaucoup trop. Allez, donc son Gogeta Ultra. Ok, il attend, hop là, voilà, le petit dash avant qu'il aurait pas dû faire. Oh, j'ai voulu break cover, mais je comprends pas comment il joue, mais bon, c'est pas grave, c'est passé. Par contre, là, non, c'est pas ce que j'ai voulu faire, j'ai voulu me ravancer avant. Alors, je pense que lui aussi, il doit laguer un peu, j'ai eu des lags, lui aussi, je pense aussi, hein. Bon, après, ça va, ça reste jouable, on a connu pire. Donc là, vas-y, on continue les blasts, ok. Je vais continuer encore les blasts, là, j'arrache avec le tag, là, j'arrache. Ok, donc là son Gogeta il va tanker. Voilà. Ah j'ai plus l'esquive, mais non je suis Ahmad, j'aurais dû switcher de perso. Par contre ça c'est bien, la petite cover qui fait plaise. Là il doit avoir ma tapotir je pense. Ok, parfait ça. Et là je me pose pas de questions, je rising rush direct hein. On prend un perso direct les gars. On va pas chercher midi à 14h. On peut rising rush, on rising rush. Ah ouais je te rising rush frère. C'est voilà, en plus ça passe, donc voilà. Pour l'instant, ça se passe bien. Oh là là, le Goku SSJ3, il est bien réussi quand même. Hein. Je trouve qu'il est super chouette, hein, ce Goku SSJ3. Franchement, super bien réalisé. Ok, let's go. Voilà, tranquille. Ryuken. Ok. Je pensais qu'il avait fait encore une erreur avec un petit dash avant, mais non, il n'a pas fait... Il a pas fait cette erreur. Comme tout à l'heure, il les faisait ses erreurs. Je me suis dit, il va refaire la même. Hein, donc j'ai tenté l'aspect. Hein. Ok, parfait ça. Bien wesh. Rien à dire, bien wesh. Il a Rising Rush direct. C'est vrai que j'avais zappé son Rising Rush. Mais bien wesh. Ça passe aussi. Bon, c'est pas gagné encore. Franchement, c'est pas gagné encore. Mais bon, on va continuer. Ok, très bien. Donc le tag... Il est parti à la cuisine, mon tag. Donc, c'est chiant parce qu'il a... Voilà, hop, sa jauge d'esquive. Faut que je la baisse. Et là, maintenant, c'est bon. Il a plus de jauge. Et bim, il s'est fait avoir avec sa jauge d'esquive. C'est ça, en fait, le souci. Alors là, je vais le faire esquive direct. Voilà, comme ça, voilà. Au moins, t'as esquive, mon copain. Maintenant, vas-y, fais des dégâts si tu veux. Derrière, j'ai Goku SSJ3 Ryuken. Voilà, alors par contre, ah ouais. Ça, je vais oublier. Il a encore son main, donc il aura encore une attaque ultime. Ok, faut... Attends, faut pas que je fasse le foufou quand même. Donc là, il a fait son main, très bien. Prends le dessus, s'il te plaît. Sinon, je... Oh là 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 là, je me suis foiré. Ça va être tant d'axe, ça va être très très tant d'axe. Oh là 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 là. Je vais mettre le Goku à SSJ3. Ça tank ou pas? Et il fait des dégâts quand même, l'autre. Oh là là. Bon, je pense pas, ça tue. Je pense pas que ça tue. J'espère pas. C'est bon, ça tue pas. Voilà, on récupère des PV avec le main. Voilà, parfait. Et bah,
Ça s'annonce le Legendary Finish. Laisse, s'il te plaît, l'animation. Laisse. Ryuken, il laisse, les amis. Bon, ça, ça fait plaisir. Première game PVP avec le Goku SSJ 3 LF Ryuken. On commence par un LF. Elle est sublime. Oh, sublime. Oh là 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 là. C'est magnifique. Magnifique, les amis. L'attaque est superbe. Hein. Même s'il y a un recyclage de l'attaque invocation, la suite du LF est vraiment très très propre. Franchement, les gars, ça fait plaisir. Max 2 pouces bleus. Deuxième game, très bien. Bon, je vais prendre les trois mêmes et on recommence. Là, c'est intéressant parce que là, il y a Tapion, son Goku SSJ 3, le Gogeta Ultra. Donc voilà, Goku SSJ 3 aussi étoilé que le mien. Par contre, ça va être intéressant de voir Tapion. Je suis content qu'on voie Tapion dans cette vidéo. Même si je perds, hein, peu importe. C'est bien. Au moins, voilà, les deux nouveaux persos de la partie 2 sont présents dans la vidéo. Ah bah ça, c'est pas mal, ça. Il a fait son petit dash avant. Il y en a beaucoup maintenant qui font cette erreur du dash avant, là. Ok. Ça va faire un peu mal, là. Très bien. J'ai pas compris pourquoi il a foncé tête baissée, là. Mais bon, pourquoi pas. Voilà. Ça, c'est parfait, ça. Oh là là, ça va one-shot. Ça va one-shot. Oh, RIP. Bon, bah, voilà. Voilà, 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 voilà. C'est ça, hein, quand c'est 3 étoiles, les gars, quand c'est à 3 étoiles, ça pique. Ça pique. Et j'ai one-shot son Goku SSJ 3 Ryuken, Miskin. Alors là, par contre, là, ça va être intéressant. Là. Oh là 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 là. L'aspect, là, sur le Gogeta, fais voir. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Je m'attendais un peu plus, quand même. Bon, après, c'est normal, c'est 3 étoiles. Je le répète, j'insiste. Parce que sinon, il y en a, ils vont dire « Oh, mais il fait pas beaucoup de dégâts, nanana. » C'est Gogeta Ultra en face, et là, du coup, le SSJ 3 Ryuken n'est pas un Ultra, hein, c'est un LF, et je l'ai que 3 étoiles. Par contre, là, il est en train de me one combo, là, frère. Ah ouais, c'est... Ah ouais, là, il est en train de me one combo à contre-chip et tout, tout va bien. Tout va bien. Bon, Gogeta Ultra, hein, voilà, c'est trop fort, Gogeta Ultra, c'est incroyable. Ok, donc là, il a fait le main de Tapion. Aïe, 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 aïe. Ouf, je suis pas mort. Il a fait tap attaque, très bien. Très très bien. Alors attends là, faut pas faire nimp. Non. Très bien. On va compter sur Goku SSJ 3. Est-ce qu'on va pouvoir faire une remontada avec Goku SSJ 3? Je suis dans la sauce. Je suis dans la sauce, les frères. Goku SSJ 3 qui est entamé. Est-ce que je vais pouvoir en venir à bout? Je me retrouve en 1v2. Goku, on compte sur toi. Goku, on compte sur toi. Goku, on compte sur toi, frère. C'est maintenant. C'est maintenant, frérot. Montre-nous. Ils sont full life, les deux. Allez. Ok. Il met le Gogeta. Ça devrait faire mal. L'ultime, là, elle devrait faire mal. Elle devrait faire mal. Trois quarts de la vie en moins, c'est intéressant. Bim, bon timing, ça. C'est ça, mon copain, qu'on veut voir. Allez, bim. La jauge unique est remplie, en plus. Parfait, ça. Bon, bah, on rasine rush. Stop. C'est parti avec une tartine de Nutella dans la bouche à la cuisine, les gars. Bon, bah, voilà, beaucoup SSJ 3 Ryuken qui a retourné la fin de game. C'est... Voilà. Là, je prends du plaisir. Là, tu vois, je prends du plaisir. Et le screen de fin, là, quand il a rage quit, là, il était exceptionnel. Team Fusion en face de nous. Alors là, il va pas falloir bégayer. Là, voilà. Là, va pas falloir bégayer. J'ai peur quand même. Voilà, son Gogeta Free to Play. Même le Gogeta Blue type jaune. Il y a le Badak pour les crit. Donc voilà, bah forcément, il met le Badak. Et voilà ce que je ne voulais pas. Vu que je pars avec deux violets, bon, du coup, il a mis son Gogeta Blue. Après, quand je switch sur Vegeta, ça va. Mais faut réussir à switch sur Vegeta au bon moment. Ah oui, il a cover strike, c'est vrai. Bien wesh. Bien wesh. Bien wesh, rien à dire. Oula. Ah oui, il avait une spé en main. Ok. Ok. Faut que j'arrive à savoir comment il joue, parce que là, il joue un peu tête baissée. Enfin, il fonce un peu tête baissée, ça que je veux dire. Ok. Voilà, bon timing. Là, il fallait que je tempo pour reprendre le dessus.
Et là voilà, hop, comme ça on va faire des dégâts. Et puis on monte la jauge pour switch sur Vegeta. Comme ça pour le Gogeta, ça sera pas mal. Voilà. Mange la tartine là. Il est bon Choco BN, bim. Ah. Il est en train de m'arracher. Et le Gogeta free to play les amis, je veux rien savoir. C'est l'unité Sparking la plus forte du jeu qu'on obtient gratuitement. Unité Sparking gratuite à farmer, c'est incroyable, vraiment incroyable. Je peux pas mettre le Goku SSJ3, je vais pas le faire mourir là-dessus. Faudrait jouer quand même avec lui dans cette vidéo, comme on a pu le faire dans les précédents combats. Donc, oh ça va, ça tue pas. Ça tue pas, je peux me soigner avec le main, ça va. Le Badak, attention. Ok. La cover... Voilà, la cover strike. C'est ça qu'on veut voir. Les gars, le tag, c'est... Non, monsieur. Voilà. Voilà. Huch. Et on se pose pas de questions. Hein. Ok. On va mettre la verte. On se pose pas de questions, les gars. Pour l'instant, ça va. Pour l'instant, on est pas mal dans cette game. C'est plutôt intéressant. Ça passe. Donc, j'ai envie de te dire, là, le Goku SSJ3 Ryuken, les gars, de ce que je peux voir, pas dans ces games, mais du moins dans les deux games d'avant qu'on a fait, je crois que ça a l'air d'être extrêmement puissant, les amis. Hein. Franchement, ça a l'air extrêmement puissant. Ok. Ah là là, et je pensais pas qu'il allait faire Blast comme ça, direct. Ok. On se retrouve en 2v2. 2v2, il est bien remonté là. Voilà, le main. Non! Franchement, j'ai vraiment du mal à comprendre comment il joue. Bien ouais, j'ai lui. J'ai un peu le seum de perdre le Goku là-dessus. Mais bon, tant pis. Allez, c'est pas terminé. Je me retrouve en 1v2 encore. On kiffe les remontadas, nous. Oula. Parfait ça. Là, il s'est jeté de tête baissée. En fait, c'est ça, en fait, le souci. C'est que il fonce un peu tête baissée. Oh, je pensais qu'il allait switcher sur le Gogeta. J'ai le seum. J'ai anticipé un peu trop vite. Oh là là, j'ai anticipé un peu trop vite. Tap attaque. Voilà. Encore. Voilà. Encore une tap attaque, s'il te plaît. Voilà. Bim. Cuisine. Non. Non. Yes. Ah bah alors là mon copain. Et Legendary de finish. Pas mal ça, pas mal du tout. Et en plus il laisse l'animation, ça fait plaisir. Deuxième élève de cette vidéo, le premier avec le Goku SSJ3 Ryuken. Et là maintenant avec le tag Goku Blue Vegeta Blue. Je trouve que la carte est sublime les gars. Franchement l'attaque élève est vraiment magnifique. Fidèle au film Dragon Ball Super Broly que l'on connaît. Franchement, là, ça fait vraiment kiffer, là. Dommage que j'ai perdu le Goku SSJ3 sur Rising Rush. J'aurais préféré au moins terminer avec lui. Mais au moins, voilà, c'est passé. Et puis, bah, allez, encore une game. Là, on est bien, là. Allez, encore une game suivante, là. Alors, ça, c'est ma hantise. La team Purple. Donc là, on va prendre les trois, là. Mais alors, la team Purple avec mon Goku SSJ3. Hormis, voilà, quand il y a l'ultime et tout, c'est intéressant, on s'en fout du contre-type. Mais là... Faut pas que je me fasse attraper en combo. Ah, clairement. Parce que là, sinon, je risque de le sentir passer. Et je trouve que, voilà, la team Purple, les gars, c'est encore très, très fort. C'est vraiment très, très fort. Donc, bon. On va tester. On va voir un petit peu ce que ça donne. Peut-être la première défaite de cette vidéo. Ok. Ah, je pensais qu'il allait foncer sur moi. Aïe, 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 je vais avoir mal, là. Je vais avoir mal. J'ai essayé d'être dans sa tête et, en fait, j'ai fait nimp. Ok, donc là, il a plus de SP, de toute façon, parce qu'il avait déjà fait la verte. Ok, il attend fond de map, donc ça va être assez galère. Oh là 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 là, il me l'a quasiment envoyé à la cuisine. Ok. Donc c'est un mec, voilà, il attend un peu fond de map. Ça, c'est intéressant. Là, le Goku SSJ3 Ryuken, quand c'est sur le Vegeta, le tag, ça... Voilà, ça... Ça tank du coup. Parfait ça. Donc la verte, hein,
Voilà, hop, ça enlève en plus les covers. C'est ça qui est intéressant. La verte, ça ramène en plus une strike dans la main. Donc jusque là, c'est plutôt intéressant. Ok, son Nigato, on l'a bien entamé. Il a récupéré des PV avec le main. Et non, monsieur! Parfait, ça, bon timing. Très bon timing. Je cherche même pas à comprendre. Let's go. Allez, ça va en faire un en moins. Voilà, un en moins. Et comme ça, au moins, on va se retrouver en 3v2. Ça sera mieux. Ça fera pas un en moins. Sofiane, prends ta tartine, mets-la dans ta bouche et ferme-la. C'est un truc de fou. Alors, en plus, c'est chiant parce qu'il a la double jauge d'esquive. Voilà, il attend fond de map. Hein. Allez, allez, dégage. Ah, voilà. Hop, le petit tackle, là, qui a fait plaisir. Parfait, ça. Parfait, dodge. Ok, la cover strike, on l'avait vu venir, donc on a fait la blast. Voilà. Parfait. On arrache bien, là. Et maintenant, l'ultime. Allez, dis-moi que ça tue. Normalement, ça devrait fumer. La choucroute, bim, KO. Allez, dégage. Voilà. Ah, je suis pas dans le bon timing, j'ai le seum. J'ai le seum, j'aurais pu LF là. J'ai raté mon LF là, j'ai le seum. Avec Goku SJ3 là, ça aurait été tellement kiffant. Ok, ça y est, c'est bon là. Il a l'ultime encore. Ok. Ok, bon, là il devrait faire un peu bobo. Ah, j'ai le seum pour l'ultime, j'attendais le pas de côté. Et j'ai pas été dans le bon timing. La tempo n'était pas bonne. Voilà. Alors, juste pour le kiff, je vais mettre le Goku. Ok, fais voir un peu les dégâts à contre-type, là, comme ça, là. Ish, ish. À 3 étoiles, je pense que ce serait mieux avec plus d'étoiles. Hein. Bon, allez, hop, voilà. On a assez rigolé, garçon. Voilà. Et voilà. LF. C'est un festival aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, là. C'est le festival des LF dans cette vidéo. On a fait combien d'LF, là? On a fait quoi? 4 combats? 3 LF? Les petits pouces bleus, les gars. Et n'hésitez pas également à réagir dans l'espace commentaire. Legendary finish. Dommage que c'était pas avec le Goku SJ3. J'ai le seum, là. J'ai raté mon timing, j'ai raté ma tempo. Dommage. Bon, de toute façon, vous avez vu, franchement, dans cette team, ça tourne vraiment très bien. Je pense que la prochaine fois, je testerai avec le Gogeta Ultra, etc. Peut-être une team saga des films, hein, pourquoi pas. En tout cas, je suis vraiment satisfait des combats qu'on a pu faire avec. Je vais également continuer, bien évidemment, à invoquer sur ce Goku SSJ3. Surtout qu'il va y avoir pas mal de duels invocations qui arrivent avec le Divine Yekase, etc. Ce week-end, les amis, je serai samedi dimanche à la Geek Unchained à Mulhouse, d'accord, au salon manga jeux vidéo, accompagné de Yekase. On aura notre stand de dédicace, donc n'hésitez pas, si vous êtes de Mulhouse, à passer nous voir, on discutera ensemble. Et pourquoi pas faire des invocations d'ailleurs avec la communauté, ça pourrait être vraiment sympa. N'hésitez pas également à me suivre sur mon compte TikTok et Instagram. Les liens, sont dans la description de cette vidéo. Sur ce, n'oubliez pas, la passion passe après les priorités. Ciao! Hey les gars, faut s'abonner à la chaîne de Sofiane le Geek, ça a l'air super! Non, yeah!